Bonjour à tous les brodines, bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va tester le nouveau Bojack d'Okanfest. On le joue en ami leader sans doublon. Comme tu peux voir, les liens n'ont pas été augmentés en même temps. Voilà, il vient d'arriver. De mon côté, je joue avec couleur multiforme qui lead conquête terrifiante. Et il s'avère qu'on peut très bien jouer avec le nouveau Bojack d'Okanfest si on possède le couleur. Parce que Bojack entre également dans la catégorie conquête terrifiante. Figurez-vous que son meilleur sauce au Nyokmam, c'est son gang. Vous allez voir maintenant que ce LR, bah mine de rien, il va bénéficier de ce Bojack d'Okanfest. Parce qu'en termes de liens, ils ont pas mal de liens en commun, évidemment, hein, c'est logique. Donc ils ont 5 liens en commun. Non, 4 liens en commun avec le LR, 60% de boost d'attaque et 25% de défense, donc ça c'est lié à boss. Le meilleur sauce avec le nouveau Bojack, bah, c'est lui-même, dans sa forme transformée. C'est un peu comme couleur puissance en fait, on peut très bien jouer double couleur, en garder un transformé et un autre non transformé, et du coup bah, tous les liens pareil vont s'activer. Et là c'est pareil en fait. Mais bon, on peut très bien jouer avec le Bojack LR. Qui, vous allez voir, bénéficie de ce Bojack. Donc en fait, alors, je ne pourrais plus le transformer là, mais j'ai envie de vous montrer les dégâts qu'il fait sans être transformé. Donc Bojack, d'Okanfest, showcase maintenant. Comme d'habitude, c'est déjà le cas. Mais je veux dire, comme d'habitude, avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Ouh là là. Et n'hésite pas à me suivre sur Twitch. 1,5 million sans doublon. Non transformé. Mais c'est vrai que Bojack est là. Il se met bien là. Hein. Il a gagné un bon gars avec lui. Un très très bon gars. Dans l'autre rotation, je joue couleur et couleur. Donc on va tester. Enfin, on va comparer couleur and couleur versus Bojack and Bojack. Donc là, le lien boss est activé. Ça va piquer. Il faut juste que ce couleur obtienne un ZTUR. Et là, oh là 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 là. Et là, c'est finito, de chez finito. On va laisser les keys pour le Bojack derrière. Parce qu'en fait, Bojack, il gagne des stats supplémentaires en partant en spé. En fonction du nombre de keys récupérés que je raconte. Oui, il gagne aussi des stats en partant en spé, mais il gagne que de l'attaque. Donc 2 millions pour le couleur endurance. L'attaque supplémentaire. Bon, le couleur puissance va peut-être le one shot. Ah ouais, 3 millions. 3 millions. Critique garantie, ça va piquer. Ouais, c'est fini là. Si double spé, c'est fini. Non, c'est bon. Attaque sup. Thalès, alors c'est dommage, hein. Je peux pas jouer la rotation Thalès and Thalès. En fait. Il y a trop de beaux gosses dans cette team. Il y en a trop. Parce que Thalès et Thalès, c'est trop fort aussi. Bon, il est temps de se transfo. Attention, il va gueuler. Ouh. Oh là là. Il fait péter la chemise. En fait, idéalement, il faudrait que je laisse le Bojack comme ça. Parce qu'en fait, en mettant en milieu, je bénéficie de combat acharné. Donc du coup, j'ai tous les liens qui boostent l'attaque qui sont activés. Et si je fais ça, je perds combat acharné. Faut juste que ce Bojack ne parte pas... Enfin, ne fasse pas de bêtises. Bon. J'ai peur. J'ai peur qu'il le tue. Bon, tu sais quoi, on va prendre un stack direct. On va prendre 8 ki en plus. Donc, alors petite explication du fonctionnement de ce Bojack. En fait, Bojack, une fois transformé, voici ce qu'il propose. Donc, attaque et def plus 180%, il gagne ki plus 3. À chaque fois qu'il part en spé, il gagne 30% d'attaque et le stack à l'infini, dégâts immenses. Lance une attaque supplémentaire qui a une chance moyenne d'être une attaque spé. Gagne encore 30% et défense plus 15% si on prend 3 sphères de ki ou plus. On gagne 30% et défense plus 15% supplémentaire quand on prend 6 sphères de ki ou plus.
Selon les calculs du site Wikia, si on prend 6 sphères de ki, ça nous fait un total de boost d'attaque de 348% et, et au niveau de la défense de 264%. Sachant de base, il a énormément de def, il a 7800. Il est assez monstrueux pour un TUR en fait. Donc 133 000 et le Bojack celui-ci il est à 100%. Tu vois quand même la différence. Je veux dire, c'est un TUR sans doublon, il y a autant de def. Alors là, on n'a pas boss qui est activé. C'est dommage. Il manquait pas grand chose. Hein. Donc, on va voir les patates qui met. Sachant que la défense et l'attaque qui gagnent, c'est au moment où il attaque. 3 millions sans doublon, level 1, sans boss. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, si j'avais boss. Oh là là là. Si boss a été à l'époque, ça aurait été fini. Couleur. Bon, on va peut-être mettre cette couleur là. Ah, j'aurais mieux de laisser les ki pour l'autre là. Tant pis. Ah si, je peux laisser les ki pour l'autre. Juste faire ça. Faut lui donner 6 sphères de ki pour qu'il tape très très fort. Voilà. C'est ça la strat. Couleur, je sais pas combien de doublons j'ai avec lui là. Il me semble que j'ai un doublon. Après, à la différence... Enfin, ça devait comprendre parce que en fait... Le nouveau Bojack, il me fait penser à Couleur. La différence avec Couleur, c'est que Couleur, il a le crit garanti face au Saiyan pur et face au Métis. Ouh là là. Par contre, il a beaucoup moins de défense. Comme tu as pu le voir, c'est un peu une chips. Hein. Alors que le Bojack, il est... tu vois qu'il a passé beaucoup de temps à la salle. Il est solide. Il a les pecs luisants. Quand il a claqué quand il a fait péter la chemise. Oh. Elle mangeur de litchi. Il me soigne de combien? Ok, j'ai toujours boss de film, c'est très bien. Bon là, on va essayer de pas partir en spé avec lui. Et de partir en spé avec lui. Alors là, j'ai le meilleur setup. Et en plus, j'ai un support. Ah non, j'ai plus de support, non. J'ai plus de support. Mais par contre, j'ai combat acharné. Non, j'ai boss de film qui proc. Donc là, j'ai signé en commun. Et combat acharné ici. Donc là, en théorie, je dois faire très très mal. Donc là, c'est la meilleure rotation possible. Hein. Et là, on n'a plus le côté support. 150 000 avec boss. Ah ouais, solide le bougre. Le mangeur de chi, il fait pas péter la chemise. Ah, il laisse la place à Bojack. 3 600 000 avec les liens activés avec son meilleur sauce et avec des liens level 1. 3 600 000 sachant qu'il gagne... je sais plus comment j'ai dit tout à l'heure, mais il gagne beaucoup de défense. Ah non, il n'y a pas photo, hein. Couleur t'as plus fort, mais couleur c'est une chips. D'ailleurs, je vais peut-être devoir claquer un item là. Je vais bientôt crever là. Avec ces conneries. Bon, là, je vais manger un litchi, hein, tant qu'à faire. C'est dommage, hein, il va pas taper fort parce que il n'est pas avec son meilleur sauce Nyokmam. C'est dommage. Faudrait qu'on puisse faire des teams. Enfin, des teams plus larges, comme ça on peut faire 3 rotations. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Une rotation couleur et couleur, une autre rotation Bojack et Bojack, une autre rotation Litchi et Litchi. Bon, je vais claquer un item parce que j'ai peur. Bojack Daniels. Ah, c'est pas mal. Eh, cette team elle fait rêver. Hein. Que des numéros 10 côté extrême. Parce qu'en fait. On parle de Bojack Dokkan Fest, mais Bojack LR aussi, il est sublimé.
Là, jusqu'à présent, je l'ai un peu négligé. Mais vous allez voir, quand je vais partir en spé ultime, il met des gros starts. C'est aussi un des grands gagnants de l'arrivée de ce Bojack. Hein. Donc, le retour de Bojack LR. Ouais, c'est vrai que couleur, là, il se met bien, non? Couleur, après, voilà, c'est un glace canon, qu'on appelait ça. Donc, il fait beaucoup de dégâts, mais c'est une chips. Alors que l'autre Bojack, il tape très fort. 4 millions, lui aussi. Il n'a pas de doublon, il n'a pas les bons liens avec son meilleur sauce. 4 200 000 sans doublon. Voilà. Que des patrons. Que des patrons double SP. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'en fait, il a pris qui plus 24. Je crois que c'est pas attaque SP garantie, mais c'est genre grande chance. Oh, on a décimé le Goku, là. Alors, l'autre Bojack, évidemment, il gagne en défense. On va faire en sorte que lui, il prenne encore un dernier stack. Oh là là. Attends, faut pas que je prenne trop de ki, sinon je vais me soigner. Sinon j'aurai plus de boss en fait. Ah oui, je suis obligé de faire attention à ce que je fais. Sinon, la cacarotte. Je rate toujours le premier, je sais pas ce qui m'arrive. Ah, il est monstrueux quand même. Monstrueux ce Bojack. Je préfère peut-être Bojack. On n'a pas la critique garantie. Mais tu vois, on est un peu plus solide. Hein. Dans sa forme de base, on le testera en Battle Royale plus tard. Mais en forme de base, il a un côté support qui est assez intéressant. Parce que je n'en ai pas beaucoup parlé. Parce que bon, là, en même temps, j'ai directement transformé. Mais en forme de base, ce Bojack. Il donne qui plus 2 d'attaque plus 30% pour tous les alliés quand il affronte un seul ennemi. On gagne encore 10% quand on affronte deux ennemis, encore 10% quand on affronte trois ennemis. Donc attaque AD plus 50% en Battle Road lorsqu'on affronte trois ennemis. C'est très très bien. Donc un support intégré à son kit. Bon Talek, je suis désolé, bah, je vais te sacrifier pour laisser... Par contre, on va claquer. J'ai pas envie de ghost. J'aurais dû ramener un ghost. Alors, on va faire ça. Donc, 50% de stats supplémentaires. Ah oui, il y a un point assez intéressant avec le Bojack LR Intelligence. Ouf, oh, j'ai pris cher là. C'est que j'avais oublié que quand il part en SP ultime, il donne 40% de boost d'attaque à tous les alliés. Donc on va lui donner un peu de ki pour qu'il puisse partir en spé également. Comme ça notre Bojack Dokkanfest va bénéficier de ses 40%. Donc clairement là son meilleur saut c'est le LR. Le LR qui non seulement revient un peu sur le devant de la scène. Parce que désormais il a un bon allié. J'ai encore devoir manger un litchi. Aïe aïe aïe. Donc regardez les stats de ce Bojack. Alors. 200 000 de def. Bim. Bon, tu sais quoi, on va manger un autre litchi pour finir. C'est le premier. La première unité, pardon. À pouvoir claquer son active skill deux fois. C'est le premier. Ça lui permet d'avoir la jauge de ki en rempli. Et comme tu peux le voir, il est aussi très solide. Hein. Sans doublon, les amis. Sans doublon. Et il n'a pas son meilleur sauce avec lui. Donc il y a des liens en moins. 4 millions le Bojack, sachant qu'il est pas full life. Quand il est full life, il tape plus fort. 4 millions, les amis. 4 millions le Bojack. Donc il donne 40% à l'autre Bojack. 3 800 000. Ah, dommage, il a esquivé. Ouais. Ça, c'est pour moi, c'est la team numéro 10, mais extrême.
Bon Jack, donc pour l'instant j'ai pas réussi à faire double attaque spé. Parce que je crois que couleur, son attaque supplémentaire a plus de chances d'être une attaque spé. Comme vérifier, mais il me semble qu'il a une meilleure chance de proc. Couleur une fois transformé. Ah non, pareil, chance moyenne, donc 25%. Non, les deux ont la même probabilité de chance de lancer une attaque spé supplémentaire. Ok. Mais bon, voilà, clairement, il n'y a pas photo en termes de def. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis... Non, voilà, j'ai pas de doublon sur le couleur puissance. Mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo... En termes de def, je préfère clairement Bojack. Hein. Parce que là, c'est un peu risqué, là. Donc, la quête de deux items pour être tranquille. Parce que là, ça va être un peu juste. Bon, là, j'ai mis des UT comme ça. En fait, j'avoue que quand tu l'as pas, t'es obligé de faire des choix. Et bah, en fait, là, j'ai dû remplir. Enfin, finir la composition de ma team. En mettant les UT qui rentrent dans les deux catégories. Donc, conquête terrifiante. Et. Dans Conquête Terrifiante et dans la catégorie, donc la nouvelle catégorie, donc guerrier ou mercenaire de l'espace. J'ai l'impression que c'est peut-être ça la traduction en français, parce qu'en anglais c'est Space Traveling Warriors, guerrier qui voyage dans l'espace, donc guerrier intergalactique. C'est peut-être ça en fait. Avec un support, on va voir ce que ça donne. Ah non, c'est dommage. J'ai envie de donner ça à Bojack. Oh shit. Qu'est-ce que je fais? Tant pis. Putain, c'est dommage. Ah si, c'est bon, j'ai un item. J'avais oublié que j'avais cet item. Voilà. Le Conti et les petits brodeurs. Bon, par contre, Thalès va se faire découper ou pas? Ouais, Thalès, il va se faire découper. Bon, là, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc là, c'est la meilleure rotation possible avec un support. Donc là, Bojack LR en spé ultime, donc il va donner 40% à Bojack après la spé ultime. Thalès donne 30%. Il donne combat acharné. Donc là, c'est the best rotation possible avec... cette catégorie. 4 200 000. Je rappelle que Conquête Terrifiante donne 170% de boost d'attaque. Voilà, Bojack LR, il revient dans le game là. Mais le Dokkan Fest, vous allez voir, il le rattrape. Oh, merci beaucoup. What's the ding? Attendez. Le Bojack Dokkan Fest sans doublon tape aussi fort que le LR 100%. Il fait même plus de dégâts parce que 1 800 000. L'auto-attaque supplémentaire. 1 800 000. Donc j'ai fait... 6 millions. 6 millions. 6 millions. 6 millions. Oui, c'est ça, 6 millions. 6 millions sans doublon. Bah, Bojack LR, il a un peu le seum là. Il a un peu le seum là, non? Bojack LR qui est à 100%. Bah, il fait moins de dégâts que. que l'autre Bojack. C'est triste quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas boss. Bah, faut que je monte les liens là. Enfin, faut que je monte les liens. Je l'ai pas, mais il faudrait monter les liens. Là, clairement, là, la team extrême, c'est la. C'est team extrême. Il manque plus que lui en ZTUR. Et là, je pense qu'on a. Bah, déjà, actuellement, je trouve que c'est l'une des meilleures teams extrêmes.
Parce que là, t'as les méchants les plus emblématiques. Ça me fait juste chier de devoir sacrifier Thalès. Que Thalès est Thalès et dans une rotation, c'est vachement fort. C'est Thalès and the gang. Bon, pas de spé ultime. Bon, Freezer, tant pis. Ah, il y a un lien en plus. Ok. Bon, bah, on va s'arrêter là. Bah, soit on gagne, soit on rentre chez nous. Que des numéros 10. Bah, ils sont grave solides, hein. Du coup, ça aurait dû être 4,8 millions et 200 000 de def avec boss. Ah. Mais Gaté, il a profité d'une seconde d'inattention pour me one-shot dans le dos. Mais bon, vous avez pu voir ce que propose en kit ce nouveau Bojack. Très, très impressionnant. Vous avez pu voir qu'il tapait plus fort que le LR 100%. Donc voilà, il n'y a pas photo, hein. C'est un très très bon Dokkenfest. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher? Pas grand-chose en vrai, hein. Pas grand-chose. Il a de très bonnes stats défensifs. Après, ça dépend du nombre de ki que tu prends. Après, 3 sphères de ki, si tu prends 3 sphères de ki, selon le Wikia, si tu prends 3 sphères de ki, ça te ramène à un boost d'attaque de 264%. Plus défense, plus 222%. En prenant en compte c'est son boost de son passif de qui est de 180% attaque et def. Donc 222% de boost de défense, c'est vraiment pas mal. Sachant, comme j'ai dit, hein, il a 7800 de def de base. Et puis évidemment, si tu prends 6 sphères de ki, il devient encore plus monstrueux. Et n'oublions pas également qu'il stack l'attaque à l'infini, donc 30%. Et le multiplicateur est immense. Donc il est très, 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 très bon, ce Bojack. Et puis, il se donne aussi ki plus 3 de base, une fois transformé. Donc non, il n'y a pas grand-chose. Non, je trouve plus solide que Couleur en termes de def. Maintenant, Couleur, dans certaines situations, il tapera beaucoup plus fort parce qu'il a le crit garanti face au Métis et au Saiyan pur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau Bojack. Bonne chance pour vos invocations. Comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve dans la description. Portez-vous bien. À très très bientôt.